Ce numéro, on a reçu les tapis. Les tapis de l'habitacle. Donc, on a les deux tapis avant et les deux tapis arrière. Bon, j'ai déjà tout installé parce que c'était très, très simple à faire. Donc, ça suffit de faire attention avec l'épaisseur de ces deux petites tiges, on va dire. Parce que c'est avec ça qu'on va placer ici. Donc, on voit qu'il y a un qui est plus grand et l'autre qui est plus petite. Bon, après, on place comme ça et on pousse avec les doigts et c'est fini. Donc, ça, il faut faire 4 fois pour tout les 4 tapis qu'il faut installer et c'est tout. Après, bon, je sais pas si vous savez en ordre. Et l'ordre des montages, mais moi j'ai fait un peu au fur et à mesure selon mes modifications. Ça, c'était bon. J'ai déjà montré, c'était la modification que j'ai fait au levier de vitesse. Non, j'ai refait la pièce avec de la gaine thermo. Ok, donc avec cette gaine thermo, il devient avec un aspect plus. On dit plus réaliste, non, avec les côtés caoutchouc, et aussi il est plus mobile. Bon, ça bouge, et c'est pas comme le truc original qui est une pièce solide, sans pas grand chose à apporter. Non, c'est juste un truc, et voilà. Donc, avec cette modification, j'ai fait un truc qui ressemble plus à la réalité, c'est ça fait caoutchouc quoi, et c'est presque fonctionnel. Donc, ce sont les modifications que j'ai fait une partie. Aussi, j'ai modifié ces parties-là. Bon, ici, j'ai fait que ça pivote. Donc, ça que j'ai fait, c'est supprimer toute la partie-là, non, qui allait soutenir sous les sols. Et j'ai ajouté un bis ici avec un contact électrique. Ok. C'était le même type de contact électrique que j'employais pour faire dans la porte. Si vous souvenez qu'on dans la perille, dans la palanque pour ouvrir la porte, j'avais mis un ressort, etc. Bon, c'était le même type de contact électrique. Donc, avec celui-là, j'ai mis là, d'un côté, les vis pour faire que ça pivote. Et de l'autre côté, bah, j'ai employé l'autre côté pour fixer avec une vis. Oh, si vous voyez bien la vis, là. Donc voilà. Donc ça c'est la modification que j'ai fait parce que bon, il me semble que ça c'est plus correct.
à faire. Okay. Donc ça pivote et il me semble qu'il s'est mis. Donc on place la chaise, les sièges avant. Donc ça pivote parfaitement. Ça nous donne un peu plus d'approximation, non? Parce qu'avant c'était un peu bizarre là. Donc là ça monte. C'est plus naturel quoi. C'est plus moustien quoi. Donc voilà, on va se voir bientôt avec les autres montages. Et merci.